Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le match contre Dijon en Ligue 1. C'est pas la grande forme en ce moment, tant mieux pour nous. Alors, je vous ai réservé une petite surprise, j'ai fait ça entre deux épisodes. On va pas jouer. Oui, je vous ai parlé de refaire la troisième, comment dire, compo. Donc, je l'ai refaite. Et on va la tester. Je suis contre Dijon, c'est pas non plus. Et si on voit que ça colle pas, on passera. Enfin, ça, je me fais d'habitude. Voilà. Allez, c'est parti. Oui, c'est bon, on va laisser ce qu'on peut. Non, ça ne s'arrête pas. Honnêtement, les joueurs blessés dans l'équipe adverse, c'est un ami de mes soucis. C'est pas comme ça que je compte gagner. Je regarde pas qui est blessé, qui est pas blessé dans les équipes adverses. Allez. On est parti. Bon, c'est une première mi-temps qui va être passionnante encore. Donc Aitaker finalement a été blessé que un ou deux jours. Ça a permis qu'il revienne rapidement. Allez, aucun poste. Ouais, ça s'est raté quand même. Bon, au moins c'était une petite action, on va dire. Mi-temps. Un peu plus classique. On va faire rentrer Payet à la place de notre but. Hop, couvrir. Alors, dès qu'on est piqué, Payet, non, et Payet, il commence à. Ah, bah oui, ma marque pour toi, ça s'applique pas vu que t'es sur le banc. Allez. C'est bien de gagner quand même. La palette. Jardin de magie. J'ai beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Alors, à ma vie. On va faire entrer une concours à la place. 65e. Bon, c'est le bon moment plus pour faire un placement. Ça va. Qui c'est qu'on va passer l'autre? Ah bah oui, j'ai dit qu'on ferait rentrer sans sou. Alors Lopez. Non, c'était 73-71. Le capitaine, on sait pas être interrompu, mais. On va trouver ça. On va aller rappeler le stade. Ouais. Voilà. On ferme le changement. Et c'est reparti. Un concours pour le concours, Sanson, Lopez. Ça c'est un gâchis. Et on va pas réussir à gagner hein. Sakai, Lopez, Sanson. Oh, regardez tout.
Allez, allez. Paillette. Allo, Paillette. Et Marsan qui récupère le ballon. Il est borgé. Ballon, trop fort. Allez, allez, on est quoi, on va piquer la balle. Et marquer le but du point rocher. Non, on va plus. Non, mais sérieux, quoi. Dijon. Il y a peut-être un jeu. Il n'y a pas un jeu. Non, il n'y a pas un jeu. Et voilà, on va perdre notre match. C'est fini, merci à vous. Là, en plus, ils ont plus froid, ils ont aucun montant pour les scopes, mais... C'est franchement... Clairement, vous avez été mauvais. Bon, donc on va se retrouver tout de suite pour notre autre match du jour qui va être contre Exasport au premier tour éliminatoire de Coupe d'Europe. Allez, à tout de suite. Nous voici de retour. Alors, je tenais à vous faire part, on a eu une offre d'achat d'un de nos joueurs, de Luis Gustavo. Et ça m'enchante moyen, honnêtement. Pour deux raisons, c'est que déjà j'ai pas envie de perdre Gustavo. L'inconvénient, en plus, on ne peut pas négocier rien, que dalle. Je ne sais même pas pourquoi. Et le gros souci, c'est que lui, il veut y aller. Donc malheureusement, je pense que je vais pas avoir le choix. Que si c'est pour me retrouver encore avec une révolte à gérer à la Florian Thauvin ou à la Strootman, il veut partir à Schengen. Fais-toi plaisir, on se récupérera des sous, même si on a honnêtement on a déjà 20 millions de budget de transfert. Si on en récupère 16, on va en avoir 13 dessus. Je pense qu'on aura de quoi commencer à s'intéresser à des choses intéressantes, à des joueurs intéressants. Alors Nkunku, on peut pas, on rechier un peu. Donc voilà, mon endroit, tu vas aller dans les buts. Ça non plus, on peut pas. Donc on va mettre Mendy déjà. Clinton et Jai. Soutien coéquipier, dernière fois qui dit que c'est pas, c'est bien. Mais tant que tu joues, c'est mieux. Bon. Donc les agrès, je peux pas te remplacer. Par contre, Kaitaka, bon, je vais mettre un peu Camara à ta place. Je peux bien te faire jouer, mais je vais pas te faire jouer tous les matchs non plus. On va revenir sur une disposition plus classique avec un Paillette à sa place. Voilà. Donc le souci étant que si je joue Gustavo, va falloir trouver Strootman toujours blessé. On va mettre Sanson en place. C'est Gustavo et le bon entente avec Lopez. Oui, donc si comme il s'en va, si Luis Gustavo s'en va, il va falloir lui trouver un remplaçant.
garderais ça. On ne sait pas, parce que de toute façon, on va pas pouvoir recruter, au moins recruter un bon joueur de Ligue 1. On pourra recruter personne avant le mercato d'été. Ça va faire avec Stroutman, Lopez et Sanson. Pas d'excuses, ils vont remporter ce match. Voilà, les deux entraîneurs qui se tapent dans la main, c'est cool la vie. Allez, c'est parti. Bon. Et Boudor maintenant hors jeu. Mais oui, mais largement hors jeu. Très 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 largement. Mec, on est quand même. Sorti de but. Donc ce serait bien d'être un peu plus. Un but de Borgia. Voilà. Sixième but de la saison. On a déjà marqué autant que presque que comment ça s'appelle Germain ou Mitrovic. Je crois qu'il doit être à 8 ou 9, hein, mais c'est plus. Allez, Borgia, doublé. Oui. Au-dessus. Dommage. Si on peut repartir de là-bas avec un petit 2 ou 3-0, ce serait tip top, honnêtement. C'est beaucoup demandé, je sais, mais bon. Logiquement, on a les moyens. Hein. Voilà, vous êtes capable de faire mieux que ça. À tout hasard, s'il y en a qui ont des joueurs à conseiller particuliers, pas forcément dans le championnat de France. Hein. Remplacer Gustavo en milieu défensif central. Alors j'aimerais bien voir Ujiro, mais je crois que c'est pas possible. Oh, Mandanda qui s'ouvre. Corner. Ouais, je crois que c'était pas possible pour une histoire d'argent, mais là si on y s'ouvre, ça risque de devenir possible. Ouais, je regarde ça. Allez, allez, on va peut-être faire quelques changements quand même. Tactique, même tu vois, 0 quand même. Allez, quelle est ta carte? Tu vas y retourner. Ça va faire plaisir. Sanson. Hop. On va faire entrer notre ami. On attaque en retrait, si tu ne soutiens personne, ça sert à rien de te mettre en soutien. Allez, c'est parti. Les derniers joueurs, les derniers instants. Un deuxième but? On ne peut pas me marquer un deuxième but? Non. Rami, encore un carton jaune. Non, pas vous, hein. Vous, pas de deuxième but. Sérieux, faut pas me faire des faits comme ça. Bon, on a gagné, on est parti avec le petit 1-0. Allez, salut tout le monde.